Vous avez dit à quelqu'un, ben, le maquis est attaqué. C'est vous, comment vous l'aviez su, vous? Mais c'est le verre que vient de dire. Ah oui. Georges, mon frère, était parti. Au Butet, il y avait une épicerie, il faisait le pain, il faisait un peu tout. Il y avait le téléphone, on n'avait pas de téléphone ici. Et Georges était parti au Butet. Monsieur Levert arrivait, le maquis attaquait. Puis le groupe Fournier, c'était les Féfis. Les Féfis. Ils étaient là dans une maison qui se cachait. Ils étaient arrivés chez nous, ils sont restés quelques jours, chez le grenier. Georges disait, mais enfin, s'ils arrivent, on ne peut pas en sortir. Hein. Donc, alors, ils ont été dans une maison abandonnée, au Marais, là-bas. Et c'est ça qu'on a été connu beaucoup de la résistance des Ardennes, parce que les chefs de groupe Oui, il y a Fournier qui est venu. venaient près de Fournier. Oui. Voilà, il y avait des Oui, liaisons voilà. avec les FFI. Mais alors là, vous voyez comme c'est encore, madame, parce que entre jeunes gens, on se parle volontiers. Et on avait un cousin germain, Alain Champ, qui devait monter un sac de sel pour le maquis. Et bien, Georges est rentré de Haut-Butey et il est reparti à Alain Champ. Dire à Léon de ne pas monter, surtout. Hein. Alors, Léon a eu l'idée d'aller prévenir le chef de groupe des Hautes-Rivières, parce que toute la douane de Longchamp était montée à la Dauphinée. Parce qu'il y a eu, au débarquement, les Alliés ont dit, il faut aider par tous les moyens. C'est ça qu'il y a eu une pareille montée de revanche de partout. Parce que le maquis, monsieur, bien sûr, il y a eu la grosse affaire, c'est le 13 juin. C'est le 13 juin. Mais il y a eu deux autres attaques après. Hein. Alors, l'attaque du 2 août. L'attaque du 2 août, c'était pas rien parce que ils ont arrêté les hommes d'ici, des vieux moulins. Ça, on avait passé une drôle de journée parce Vous que. avez eu peur, là. Oh, on avait eu peur, madame, parce que on se disait, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ben oui. Il les avait emmenés où? Ils les avaient emmenés à leur PC. À leur PC, c'était entre Hargnies et les vieux moulins d'Hargnies. Et là, ils les ont lâchés et ils ont dit, vous descendez à Hargnies et vous remontez après telle heure le soir. Alors, parce qu'après cette heure-là, les troupes étaient relevées. Ils pouvaient retourner chez eux. Mais c'est incroyable, hein? C'est incroyable, hein, ce monsieur. Et au 13 juin, ils ont arrêté au Butet, le jour du 13 juin, du pèlerinage. Ils avaient arrêté Raymond Botté. Ils avaient arrêté Otterbeck, c'était l'instituteur. Ils avaient pris le gamin qui avait 14-15 ans. Et avec le père, et Madame Otterbeck a crié, elle a été retrouvée, les Allemands, là-bas, sur la place de l'église, elle a été trouvée, monsieur le curé, en disant qu'ils avaient pris le gamin Gilbert. Monsieur le curé est sorti, et il a dit aux Allemands, ces gestes sont inhumains, retourne avec ta mère, qu'il a dit à Gilbert. Et Gilbert est reparti avec sa maman, et l'Allemand, il a été plusieurs fois sous les fenêtres. S'il avait pu le ressaisir, il le prenait. Hein. Ah oui. Oui, ils ont arrêté le brigadier Prost à Petit. Et puis de deux fils cosy qui se cachaient chez leur tante. Ils avaient 18-19 ans. Ils se cachaient chez leur tante au Butet. Ils avaient pris ces hommes-là et les ont emmenés enfin chez Deschamps, où ils avaient parqué les hommes Oui, dans dans le le pré. jardin. Ils les ont emmenés là, ils les ont chargés pour les emmener au bois de Revin où ils ont fusillé les maquisards, Oui. et ils les ont lâchés en soirée. Oui. Et nous, c'est pareil, ils ont pris les hommes, ils n'ont pas, Ils les ont leur ont lâchés. pas fait de misère ni rien, non? Mais on avait passé une sale journée. Quelques jours après, un agent de liaison de Nouzonville passe avec cet officier-là qui avait une petite musette de soldat, une petite musette kaki,
qui laisse ici. Il dit, je la reprendrai quand je reviendrai, quand je repasserai. Mais on n'a pas eu l'occasion de le revoir. Alors, la musette. Moi, j'avais nettoyé, lavé la chambre, j'avais pendu la musette au mur à un clou. Et quand les Allemands sont venus arrêter les hommes, comme il n'y avait pas l'éclairage, ils ont passé leur lampe, mais ils n'ont pas vu. Il y avait la musette. Et la musette était pendue. Et Georges, avant de partir, il disait, la musette. Maman est passée dans le couloir, il y avait des Allemands assis sur les marches là. Elle est passée devant eux, elle est partie à l'écurie, elle a levé quelques pousses de vache, de fumier, elle a collé la musette en dessous. Voilà. Après, on l'a retirée, bien sûr, puis on l'a nettoyée. Et mon frère l'a reportée à sa femme quand il a fait quelques mois de service militaire après la guerre, Gaston. L'attaque du 24 août. Quand Lost, c'est M. Levert qui arrivait à dire que le maquis était attaqué, mais qu'il y avait beaucoup de blessés, là. Il y avait plusieurs blessés, mais il y avait encore une dizaine de morts, hein, oui. De tués. Oui. Oh oui, et dans les tués, il y en a un qui était sorti le 13 juin, là, du maquis, qui avait gagné Bollardière sur les bois belges, et il a été tué le 24. Il a été officier d'active, M. Grenier. Et puis il y a eu le colonel Bordereau. Bordereau, il avait rejoint le maquis. Et Bollardière était venu trouver papa pour le parachutage des Belges. Alors, il était resté à déjeuner avec nous, et en dînant, il dit qu'il y a un officier supérieur en grade d'arriver au maquis. Alors, maman, lui, alors il dit, j'ai tenu à lui offrir à prendre le commandement intérieur du camp. Et il y a eu aussi Rankin, au pèlerinage des Belges, au 15 août 1544. Il y a eu le pèlerinage des Belges, mais Rankin, celui qui était le responsable du groupe belge, c'était mélangé, il y avait des Anglais, il y avait des Belges et il y avait des Français dans l'avion. Alors le groupe belge, c'était Rankin leur chef. Et il a été tué à l'avance von Rundstedt, à Bure. Oui. Ils ont été tués à Bure, ils ont perdu deux qui ont été parachutés le 15 août ici. Et puis on a eu les parents de Rankin qui sont venus. Le père était bâtonnier à Bruxelles. Et leur fils aîné avait rejoint les troupes là-bas en Angleterre. Mais quand ils sont venus, ils cherchaient où il était arrivé, où il était tombé en parachute. Et papa avait fait des bancs. Hein. Il y avait un banc là, le long du mur. Madame Rankin s'est assise sur le banc, et puis elle a pleuré. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il était devenu, ben oui. Et ça, c'est la famille Rankin. Après, quand on a inauguré le monument de Revin en 48, mes parents avaient reçu une invitation du maire de Revin. Et on a reçu donc le capitaine Georges et le fils Duble. Le fils Duble qui a été pris et qui est mort à Buchenwald. Il est venu, le capitaine Georges qui était descendu le 6 juin. Qui est revenu, il est venu la famille Duble. Oui. Il est venu le père, monsieur Huble, il avait 80 ans. Oui. Il est venu d'Angleterre à la cérémonie. Et la fille, donc la sœur du capitaine, avec son mari, sont venus. Et il est venu Michel, le fils d'Alain Duble, qui avait une quinzaine d'années et qui était déjà à l'école militaire. Alors, vous voyez, on les a sauvés à une place et ils ont trouvé la mort plus loin. Oui, ben oui. Ça, alors, vous appreniez tout ça après, oui, après la guerre. Oui. Ah oui.
à l'exposition. En parlant, je le revois. Ça reste vivant. Ah, parce que je tout est là, hein. Tous les détails, tout. Oui, oui, oui. Ah oui, tous les détails, oui.